sharing the experience of Mozambique in the development of DHIS2. And we'll be able also to hear that. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'expérience du Mozambique qui a commencé d'abord avec l'implémentation du DHIS de 1.4. Et ils ont commencé à adopter la version DHIS2 qui est présentement utilisée avec plusieurs programmes. Je vais inviter le docteur Brana, qui est à la tête de SIX dans notre pays depuis 2 ans maintenant. Mais elle s'est occupée de la question des logistiques d'abord. Donc, grâce à elle, on peut avoir des données qui sont intégrées dans le DHIS2. Donc, j'invite Dr. Brana pour venir faire sa présentation. Dr. Amelia Pouvé, que nous invitons également, qui fait partie du programme PEV au Mozambique. Il y a la campagne qui a commencé cette semaine et on utilise le DHIS2 et il y a plusieurs autres initiatives également. Donc j'invite Amelia à venir pour la présentation. Cependant, avec le besoin d'intégrer les données, il y avait plusieurs défis par rapport à la composante des données qu'il y a dans le DHIS2 qui n'était pas assez. Et le nombre de personnes testées, traitées, il y avait le répertoire pour le paludisme. Et à Mariana Silva qui est là pour nous partager l'expérience qui concerne cet aspect-là. Il y a également le besoin d'avoir la traduction durant le processus. Donc, j'invite Melimous, qui est à la tête de l'unité de recherche, pour venir s'asseoir devant avec nous. Et pour débuter, Dr. Brana, c'est vous qui allez commencer l'exposé. Et nous allons lancer tout le processus. Je ne sais pas si c'est à vous de bouger les diapos ou pas. Bonjour, je vais commencer l'exposé du SIX au Mozambique. I should use the link. No, this was not working. Okay. So Mozambique Minister of Health adopted the Ministre de la Santé du Mozambique a adopté DHIS2 comme plateforme principale qui s'appelle SISMA chez nous. Donc c'est le système pour le suivi et l'évaluation. Donc nous allons voir ce à quoi cela ressemblait par le passé. Et d'où est-ce que nous venons? Donc, entre l'an 2000 et 2014, le Mozambique a tenté de mettre en place plusieurs systèmes électroniques visant à améliorer la gestion des données. Il y avait le SysProg, le SIMP, DHIS 1.4 et le module de base.
Cependant, tous ces systèmes n'ont pas réussi à répondre aux attentes des utilisateurs. Donc, on a dû tirer des leçons de ce processus pour atteindre la phase suivante. Pour ce qui est de l'implémentation initiale, nous avons le contenu existant, les métadonnées, les données du module de base, et cela a été migré sur une base de données DHIS2. L'approche de la mise en œuvre est passée d'une approche distribuée avec des serveurs répartis dans les districts et les provinces à une approche centralisée. D'autres outils de programme non inclus dans le module de base ont été incorporés dans Sysma, qui est la nouvelle version du DHIS2. Pour ce qui est des rapports au niveau des établissements de santé, cela a été saisi dans le système par des statisticiens situés au niveau des districts. Donc voici l'image qui illustre ce que j'explique. Donc à ma gauche, c'est le module de base. Vous voyez que c'était un système relativement complexe pour la collecte des données. On quitte du manuel pour aller au district, puis des districts aux provinces, puis on part au centre. Ça prenait beaucoup de temps pour collecter les données et voir les informations des niveaux inférieurs. À ma droite, maintenant, c'est le scénario que nous avons. À l'heure où je vous parle, il y a la collecte au niveau des établissements de santé qui peut être électronique ou manuelle. Mais après avoir collecté les données sur le DHIS2, on peut y avoir accès directement au niveau central. Donc, quand il y a la connexion, dès qu'on connecte cela, on l'envoie au niveau central. Donc, c'est ce que nous faisons maintenant pour nos données et cela améliore la performance des indicateurs et cela promeut l'utilisation des données. Alors, pour ce qui est de l'implémentation DHIS2 au départ, cela a apporté plusieurs avantages. Comme je l'ai dit, ça a réduit le temps nécessaire à la production du rapport. C'était possible d'accéder aux données pour toutes les établissements de santé pour plusieurs périodes à la fois. Cela a amélioré la qualité des données en matière d'exhaustivité et d'actualité. Il était possible d'introduire des tableaux de bord pour le suivi et l'évaluation afin d'améliorer l'utilisation des données et cela a permis de simplifier le processus de production des rapports complets pour l'ensemble du pays. Alors, c'est quoi le processus pour quitter des données agrégées aux données individuelles? Le besoin de données individuelles a vu le jour. Nous avons subi des pressions venant des provinces de la santé qui étaient satisfaits des données agrégées. Donc, il y avait des défis pour arriver au niveau des données individuelles. Donc, les modules relatifs aux patients hospitalisés et patients de la tuberculose ont été les premiers à être inclus dans l'implémentation du track DHIS2 et les modules relatifs à l'audit de la mortalité maternelle et néonatale ont été suivis. Donc, le succès du module pour les patients hospitalisés a augmenté la demande et des modules de suivi pour la vaccination de routine, le cancer et le VIH sont en cours d'élaboration. Tout cela est fait dans le système DHIS2 au Mozambique. Alors, nous avons beaucoup de difficultés en tant que pays, mais la mise en place du module individuel a eu un grand impact parce que c'est la première fois qu'on a un rapport sur le taux de mortalité et les causes de la mortalité. Donc, présentement, plus de 90% des décès à l'hôpital ou dans les hôpitaux sont enregistrés individuellement et codés selon le ICD-10. Et il a
Et c'est également possible d'avoir accès à ces rapports. Et c'est fourni automatiquement à l'OMS et au ministère de la Santé, entre autres. Donc, c'est possible de fournir automatiquement ces données. Également, on a partagé ces informations avec le ministère de la Justice pour qu'il lui a permis d'augmenter l'enregistrement pour ce qui est du processus civil qui ressort qui est du ressort du ministère de la Santé chez nous. L'un des modules qui a eu beaucoup d'impact, c'est le le système de surveillance intégrée de la maladie et de la riposte que vous avez vu à l'écran. Maintenant, ce module a permis de faire le suivi de toutes les pandémies qui sont venues fragiliser plusieurs systèmes de santé, pas seulement au Mozambique. Donc, on peut maintenant se préparer pour les épidémies et y répondre de la meilleure des manières possibles. Maintenant, le Mozambique étant engagé à avoir ce système, on a développé des programmes dans le ministère de la Santé et il est possible maintenant de pouvoir répondre, d'avoir une réaction efficace en cas de crise, que vous ayez la sécheresse, les inondations, les épidémies, il y a eu la COVID. Donc, c'était un outil qui a permis au Mozambique de suivre ce qui se passe sur le terrain. Alors, le pays a commencé avec le processus de digitalisation après le module de base, mais c'est la pandémie de la COVID-19 qui a rendu plus visibles les efforts de numérisation. Nous avons vu le potentiel du système en tant qu'outil. Actuellement, le module a évolué, ce système a évolué, et nous essayons de prendre en compte la gestion de plusieurs maladies avec les données de surveillance maladie, et nous pouvons fournir des données de surveillance en temps réel. Alors, voici un petit exemple du module pour ce qui est de la surveillance. Il y a la notification immédiate, il y a les vaccins, entre autres. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici. C'est mon collègue pour ce qui est du programme de vaccination va présenter Amelia. À vous la parole. Bon dia. Bonjour. Bon dia. Bonjour. Merci beaucoup de me passer la parole. Je m'appelle Amelia. Je travaille au programme de vaccination au Mozambique. Je suis là pour présenter en portugais et je vais vous présenter l'expérience du Mozambique par rapport à nos prochaines campagnes. Je suis navré de vous faire la présentation en portugais, mais ce serait interprété. Je parle en portugais pour vous permettre d'apprendre également le portugais. Je viens d'un pays lusophone. Le Mozambique est un très bon pays. Hier, nous avons eu des présentations pour ce qui est du tracking dans les pays lusophones. Je disais que le Mozambique est un très bon pays. Nous avons une bonne gastronomie.
Et je vous invite à venir au Mozambique. Adotamos o DGS2 para apoiar o país na gestão de dados das campanhas. O Moçambique é muito bonito, mas infelizmente tem passado por situações de surtos de doenças que são preveníveis pela vacinação. Mozambique, we adopted DHS in Mozambique. Nous avons adopté le DHS de Mozambique pour pouvoir faire la gestion des données de PEV pour ce qui est du système d'information de la santé. Et nous essayons de nous en sortir avec les épidémies qui voient le jour. Muita informação, tínhamos muitos dados e não seria suficiente usar o papel para fazer a monitoria e a gestão de tanto dado que estava a ser produzido. During COVID, it was really... Durante a COVID-19, c'était pas aisé parce que nous avions un système sur papier. Et il y avait tellement de données à enregistrer, ce qui nous a contraints à utiliser un système numérique. Nous avons déjà CISMA, qui est un peu le SIX, comme on le dit en français. Maintenant, durant la COVID-19, il y a eu des sous-systèmes qui ont été développés pour s'occuper des questions de l'épidémie ou de la pandémie à COVID-19. Maintenant, nous avons réalisé la campagne de vaccination de la COVID-19 dans notre pays. Et les données qui ont été collectées, c'est via le DHIS2 et précisément les sous-systèmes qui ont été développés pour répondre à ces besoins. Cet outil nous a permis de l'avoir. D'avoir les données à temps et avec le peu de qualité dont nous avons besoin à cette époque, le sous-système était suffisant. De vacinação, que era um requisito mandatório no caso de viagens ou de comprovação que a pessoa realmente tomou a vacina de COVID. Nós avons également utilisé cet outil, não seulement pour la collecte des données, mais également pour délivrer les certificats. Parce qu'à l'époque, on avait besoin de certificats de vaccination de la COVID-19 avant de voyager pour aller dans n'importe quel pays. Continuamos a reproduzir certificados para quem precisa e temos essa plataforma para monitorar essa atividade. The subsystem also helped us to... Le sous-système nous a également permis à faire le suivi de la situation par jour, par mois, et quand on délivrait les certificats, on pouvait enregistrer cela, et donc c'était un outil très utile. Precisamos responder imediatamente e a resposta foi campanha de vacinação. Durante a COVID-19, il y avait des notifications de cas de polio
et il fallait trouver le moyen d'arrêter la propagation de la polio et donc la campagne de vaccination pour cette maladie a également démarré. Da vigilância epidemiológica, fomos notificando cada vez mais casos de polio e tivemos a necessidade de alargar cada vez mais o número de rondas de campanhas de polio. The plan was to have three phases of campaign. L'objectif c'était d'avoir trois phases et durant cette période il y avait eu beaucoup de cas. Surveillance in order to deal with the many cases that were there appear during that time. Pour résoudre les problèmes de polio, on a fait les vaccinations. Muitas comunidades e o dado era feito no papel e passava de papel em papel a todos os níveis e isso dificultava muito o nosso trabalho. As I said previously, during COVID, we had a many cases. Je dis plus tôt, durant la COVID, il y avait des cas de COVID, mais également des cas de polio. Nous avons utilisé des papiers pour les cas de polio, et il était donc très difficile de s'en sortir avec le système basé sur le papier. Houve necessidade, sim, de abrir-se espaço no SISMA para a introdução de dados de diferentes rondas da polio. So, during this time with the... Alors, en ce moment, il y a eu le partenariat avec le partenaire qui nous a aidé à développer le système, le sous-système de la santé et cela nous il nous a permis également de pouvoir développer un système et une plateforme pour s'occuper des cas de polio. O supervisor da equipe na comunidade depois da vacinação já fazia o registro num instrumento móvel como telefone e tablet dos dados de vacinação na comunidade e dessa forma já tinha essa informação imediata nos níveis subsequentes. That was so very easy. C'était assez aisé. Je veux parler de l'application qui a été développée dans le sous-système. Cela a permis même au centre communautaire de pouvoir collecter les données et au plus haut niveau du ministère, on pouvait avoir accès à ces données-là. Voici un exemple de tableau de bord qui a été produit. Já poderiam baixar os dados a tempo real. This is an example of dashboard that were produced. Voici le genre de tableau de bord généré et lorsque les données sont produites au niveau communautaire, au niveau des ministères, on pouvait avoir accès à ces données en temps réel. Moçambique tem comunidades extremamente distantes, isoladas, tem locais que não têm rede móvel e usando essas plataformas em algum momento perdemos alguma informação que gostaríamos de ter nesse momento. Então, é um processo que precisamos de melhorar, mas estamos a apostar nessas plataformas pelas vantagens que temos visto. Le DHIS a été très utile et c'est un système positif, mais parce que le pays est là, dans certains cas, dans certaines communautés, nous n'avons pas accès
données et donc il fallait à faire une amélioration parce qu'on n'a pas toujours accès aux données lorsqu'on a, on est dans des lieux reculés. Para o digital e queremos implementar o registro eletrônico infantil lá da unidade sanitária e da brigada móvel, pensando nós que dessa forma vamos melhorar cada vez mais a qualidade de dados que é dada e vamos melhorar o acessibilidade dessa informação que queremos. A saúde e os parceiros que apoiam o programa, estamos a trabalhar nisso com muita ativa e melhorarmos, claro, a qualidade de vida dos trabalhadores e das pessoas que vão receber a vacinação. So this was long, was very long, I think you understand. So what she's saying is that we really need to move. En réalité, on a pensé qu'il fallait mettre en œuvre la plateforme DHIS2 pour la vaccination, mais il fallait prendre en compte tous les sous-systèmes qui existaient par rapport à la vaccination du DHIS2, vaccination qu'on peut enregistrer dans le DHIS2 et on avait besoin de quitter du. De l'écrit vers le numérique. Donc, je vous remercie beaucoup de l'opportunité qui m'a été donnée pour faire la présentation. J'insiste encore que vous avez besoin de cours de portugais. Merci, Amélia, pour ce cours de portugais. Comme Amélia l'a dit, la difficulté pour la plupart des programmes de santé, c'est d'être capable de couvrir le niveau communautaire. Le prochain module dont je vais parler, c'est le système d'information de santé communautaire. C'est dans un programme très un sous-niveau. Donc, ce module permet aux agents de santé communautaire de gérer les informations sur les patients et les données de santé et d'accéder facilement au dossier des patients sur l'évolution des traitements et sur les tendances en matière de santé publique de manière sécurisée et efficace. L'implémentation de ce système était essentielle pour garantir la fourniture de soins de santé primaire, réduire la fragmentation des plateformes communautaires qui existe déjà dans le pays, créer un système d'information sur la santé communautaire qui est intégré et complet. Donc, comme je l'ai dit, on a le programme Les Pros que vous pouvez voir à la droite de l'écran. Et c'est un programme qui enregistre les données. Maintenant, vous pouvez voir les informations qui ont été collecté dans l'EPRA, qui est notre logiciel. Vous voyez le nombre de cas lors des trois derniers mois. Vous pouvez voir les domaines qui ont des difficultés, qui ont des difficultés dans le pays. Où est-ce que vous devez concentrer votre supervision et le soutien pour les soins de santé? Maintenant, nous avons une nouvelle stratégie pour ce système de santé au niveau communautaire. Et ceci a un objectif très clair qui est de mettre en place le système de santé communautaire et puis faire le suivi et l'évaluation avec des flux d'informations. Cette nouvelle stratégie a apporté beaucoup de demande
au département du système d'information de santé parce qu'on devait mettre en place un système qui va prendre en compte toutes les maladies et tous les programmes. Donc, le système intégré est basé sur le DHCS2. Cela a été testé. Cela comprend la numérisation de l'ensemble des agents communautaires qui permettent un suivi continu des individus au niveau des ménages. Voici un des modules du système. Vous pouvez voir que cela vous permet de faire le suivi de la tuberculose, du paludisme, du VIH. Cela vous permet de faire la prévention et la promotion dans la communauté. Ça permet d'enregistrer les naissances et les mortalités. Ça permet également de faire un sondage des ménages. Et voici comment cela se passe. Ça vous permet également d'avoir des notifications par rapport au suivi quotidien. Alors, comme j'ai dit, c'est un système d'information intégré et donc toutes les informations s'y trouvent, et même le paludisme qui est pris en compte, et on explique comment est-ce que cela peut avoir beaucoup d'impact dans notre vie quotidienne. J'invite maintenant ma collègue Mariana pour continuer cette présentation. Bonjour. Merci encore de l'opportunité. Je vais faire de mon mieux pour parler en anglais. Je m'appelle Mariana da Silva et je travaille pour le programme du paludisme au Mozambique. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous présenter le résumé du programme par rapport au développement d'un système de paludisme, de suivi du paludisme intégré dans notre pays, le Mozambique. Je vais d'abord commencer en donnant un petit contexte. En 2016, l'évaluation de la surveillance du paludisme a été mise en évidence et des difficultés majeures dans la gestion des données ont fait le jour, notamment des sources de données multiples avec des définitions multiples ou des définitions différentes qu'on peut voir à droite et à cette image avec les données d'Excel qui viennent pour ce qui est de l'entomologie, des naissances. Il y a également des données des consommables. Il y a des informations qui proviennent de plusieurs sources qui entrent dans le SIX. Il y a les données de supervision également qui sont prises en compte et il y a les vérifications pour ce qui est de la qualité des données. En partant du fait qu'il y a tellement de sources de données et des indicateurs multiples également, nous avons remarqué qu'on avait un faible niveau pour accéder à toutes ces formes de données et également il n'y a pas de résultats automatisés. Donc, une décision a été prise de déterminer un lieu où les acteurs peuvent avoir accès à toutes les informations par rapport au paludisme sur une seule et unique plateforme. Comme je l'ai dit, pour ce qui est des solutions, il y a eu le répertoire des données du paludisme qui a été créé en se basant sur le DHCS2 et cela a été développé selon les normes du répertoire de l'OMS. Donc, ce répertoire est intégré au système d'information sanitaire existant, dont SISMA, dont on a parlé avec l'EpiData, et également les données que nous avons pour ce qui est du système électronique d'information sur la gestion logistique. Permis d'établir
Avec le ludisme, nous a fourni tableau de bord automatisé et pour mettre cela en place, il y a eu des formations pour environ 800 utilisateurs au niveau du pays, au niveau central, au niveau des districts, au niveau des établissements de santé. Et nous avons donné des tablettes à tous les utilisateurs et des données mobiles sur une base quotidienne afin de s'assurer qu'ils puissent mener leurs activités avec succès et envoyer leurs résultats sur cette plateforme. Pour ce qui est de l'impact par rapport aux données qui se retrouvaient sur une seule et même plateforme, nous avons vu une amélioration pour ce qui est de l'exhaustivité des données grâce aux validations créées pour la saisie des données sur la plateforme et spécialement pour ce qui est des supervisions et précisément les supervisions intégrées et également les questions de données ARS. Et sur cette plateforme, nous avons vu une amélioration également pour ce qui est des délais de soumission des données où on peut utiliser les tablettes pour soumettre les données par rapport aux établissements de santé ou districts. Et également, j'aimerais dire, puisque nous avons toutes ces informations sur la même plateforme que nous appelons notre répertoire, c'est devenu très simple de faire l'intégration des données collectées et de faire des analyses complètes, chose qui était difficile avant la mise en place de ce répertoire commun. Et nous avions un système chronophage par le passé, puisque les données sont enregistrées sur plusieurs systèmes. On peut voir sur cette diapo, il y a les tableaux de bord qui nous montrent les données collectées au niveau des patients. Et on a des informations qui viennent du système électronique d'information sur la gestion logistique. Et il y a des informations qui viennent également par rapport aux entrepôts de données. À partir de là, nous pouvons faire une évaluation complète et cela est disponible pour tous les utilisateurs. Également, comme je l'ai dit plus tôt, nous avions aussi créé un tableau de bord spécifique par rapport aux finances. Et ceci était spécifique pour les produits de base et autres produits. Et nous avions des données sur une base trimestrielle pour la contribution de nos différents partenaires. Et c'est un moyen d'impliquer tous les acteurs et avoir des informations par rapport aux finances, des informations qui sont assez sensibles par rapport à leur disposition dans la disponibilité dans le programme. Donc, voici quelques exemples que j'ai apportés ici. Nous avons environ 25 tableaux de bord avec toutes les informations et comme perspective, nous travaillons pour la définition des données au niveau des districts et au niveau des établissements. Et j'étais très heureuse hier lorsqu'on a eu des sessions sur les big data. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour nous de combiner ces outils et maximiser les données que nous savons demeurent sur ce répertoire des données. Merci. Okay, again me. So, me voici encore, comme Marianne a dit. C'est très important d'avoir des informations intégrées dans une seule et même plateforme. C'est pour cela qu'on va présenter la vue d'ensemble du système au ministère de la Santé.
Comme vous pouvez voir, on a le module agrégé DHIS2 qui est au milieu. Il y a les autres sous-modules qui ont été développés également. Pour ce qui est des hôpitaux, le répertoire de paludisme dont Marianne a parlé, la surveillance, et tout ceci est lié dans un système d'information intégré et nous pouvons mettre en place un tableau de bord commun. Il y a des systèmes qui viennent, par exemple, du ministère de la Justice pour ce qui est de l'interopérabilité. Il y a les informations logistiques et les données qui sont intégrées présentement, des données agrégées qui nous permettent d'avoir des produits sur la consommation et programmes et quelle est la par rapport qui n'est pas encore opérationnel, mais cette variable est prise en compte. Il y a des mises à jour pour avancer. Donc, on va ensemble et nous travaillons également pour améliorer cette intégration avec des différents sous-systèmes et la plateforme d'interopérabilité a été mise d'éviter les doublons pour ce qui est des données et la redondance et également améliorer l'accessibilité et faciliter la collaboration, le partage d'informations et également cela permet l'évolution.